Elliot Meira, Maxime Montondon, merci de me recevoir dans votre vestiaire. On est peu après la fin de la saison régulière. Sierre a fini cinquième au terme d'une saison difficile à analyser, Maxime. Il y a eu tout vraiment cette année. Il y a eu des très bonnes choses, il y a eu des petites phases où on a eu un petit creux. C'était un petit peu compliqué, mais au moins, je pense qu'à la fin, on a quand même une cinquième place qui est bien. Les objectifs sont quand même atteints, je pense, de cette saison régulière. Maintenant, on a appris un petit peu nos erreurs. On sort quand même grandi de cette saison et on est d'attaque pour faire ces playoffs. Ouais, avant de parler de cette série, Maxime, il faut parler de cette saison régulière où finalement, une cinquième place, certes, mais avec des équipes comme par exemple Bâle ou même Grasshopper qui ont surpris tout le monde. Puis c'est ça qui fait que peut-être Sierre n'est pas à sa place à la fin. Peut-être, je pense que Bâle, ils ont fait quand même des très grosses signatures, on va dire, durant l'été. Donc on s'attendait quand même à un gros morceau. Donc je pense qu'ils ont quand même répondu présent. Ils ont d'ailleurs gagné la coupe encore hier. Donc c'est clair qu'eux, ils sont chauds. Et puis après, c'est clair que Getzé, on les attendait peut-être pas là. Ça fait quand même quelques saisons qui surprennent. Donc c'est clair qu'ils ont des très bons jeunes. Ils engrangent pas mal d'expérience avec les années. Donc c'est vraiment c'est des joueurs sur lesquels maintenant on doit vraiment compter et puis faire gaffe à eux parce que ça peut être vraiment une menace sur la glace. Ouais. Ouais, Elliot, Sierre a fini 5e, c'est finalement 3 places de plus que la saison dernière. Mais l'impression générale qu'on a, c'est qu'il y a un petit air d'insatisfaction chez les gens. Est-ce que toi, tu comprends ça? Je peux comprendre, bien sûr. Les objectifs avaient été annoncés, ils étaient clairs de la part du club. Voilà, je peux comprendre cette frustration des supporters. Parce que c'est clair qu'ils en attendent beaucoup de notre part. C'est clair, cette saison, comme a dit Max, enfin, on a montré des très belles choses, on a montré vraiment de moins bonnes. On sait que c'est... Voilà, ils sont exigeants, c'est normal. Au final, on finit cinquième. Je pense qu'il faut retenir ça au bout de la ligne. Et puis maintenant, attaquer ce quart de finale d'une belle manière. Ouais, l'avantage du hockey, c'est que les playoffs, on redistribue toutes les cartes. C'est un peu le temps le plus excitant de la saison qui arrive, une série contre Getzé. Avant d'en parler de manière plus détaillée, comment tu vois cet adversaire de Grasshopper qui vous a quand même pas mal réussi cette saison? Ça nous a pas mal réussi, on a fait des bons matchs, là-bas. Comme a dit Max, au final, c'est une équipe qui est quand même dans le haut du classement depuis quelques années. Certes, ils ont des jeunes, mais qui sont plus forcément si jeunes, puis qui ont engrangé de l'expérience. Donc je vois une bonne équipe de Getzé sur qui il faudra compter. Et puis voilà, à nous de les contrer, de bien les étudier, et puis voilà, faire le travail. Ouais, Max, 12 points sur 15 cette année contre Grasshopper. Vous n'avez pas perdu une fois contre eux au bout du temps réglementaire. Mais par contre, ça a été toujours des matchs extrêmement serrés aussi avec des scénarios assez improbables. Alors, si je me souviens bien, c'est contre eux qu'on a fait une remontada. On perdait 5-2, 3 goals de retard et on arrive à gagner. En gagner ici, c'était un peu improbable. Chez eux aussi, je crois qu'on a fait aussi... un ou deux goals à 6 contre 5, oui, c'était 6 contre 5 qui marchait très bien en début de saison, qui nous a permis d'avoir de précieux points. Mais c'est clair que c'est une équipe peut-être qui nous réussit bien, c'est aussi un nouvel adversaire qu'on va affronter en play-off. On ne les a jamais eu les 4-5 dernières années, on est plutôt du côté d'Holton ou Chaudfond. Donc c'est clair que c'est un nouvel adversaire, on sait que 4-5 c'est quand même généralement les séries les plus serrées du classement. Mais maintenant à nous de vraiment, comme a dit Elliot, de bien les étudier pour pouvoir passer l'épaule. Justement maintenant... on est à une semaine du début de cette série. Qu'est-ce qu'on profite de faire quand on a enfin une grosse semaine comme ça, sans match? Alors, déjà régler les quelques bobos qu'il y avait déjà dans l'équipe. Donc ça fait une bonne semaine pour vraiment se préparer à fond, pour être au top physiquement mardi. Là, on a une bonne semaine d'entraînement. On n'en a pas eu beaucoup honnêtement avec le nouveau coach vu qu'on a enchaîné pas mal de matchs. Donc c'est vraiment bien les étudier. Faire le maximum pour vraiment arriver mardi et savoir qu'on soit tous à la même page pour pas qu'on soit surpris ou quoi que ce soit, vraiment pour être en top forme mardi pour ce premier match. Justement, Elliot, vous allez sur la route mardi prochain, mais on sait que Grasshopper, c'est des déplacements assez particuliers, ça ressemble plus à des matchs presque de junior que finalement des matchs de hockey de Ligue Nationale. Est-ce que dans un contexte de playoff, c'est un avantage pour vous de jouer presque dans l'anonymat ou ça vous ferait du bien ou ça serait plus avantageux de jouer dans une arène pleine avec une grosse pression du public? C'est une bonne question parce que comme a dit Max, on les a pas rencontrés par le passé en playoff, donc c'est vrai que c'est assez atypique là-bas. Moi je dirais que c'est plutôt un avantage qu'ils ont pas de sixième homme, voilà, comme on dit, ils n'ont pas le public derrière eux.
à nous nous concentrer sur notre jeu. C'est ça, il n'y a pas vraiment de bruit, il n'y a pas vraiment d'ambiance là-bas. Donc à nous de faire le job, nous concentrer sur le match. Puis c'est aussi l'opportunité aussi pour les gens de Sierre de se déplacer. Et puis presque l'avantage, c'est que si beaucoup de gens font le déplacement, on peut presque jouer à domicile à Grasshopper, notamment les matchs du vendredi et du dimanche, où il faut vraiment que les supporters se mobilisent. Exactement, exactement. Comme tu dis, si c'est clair, s'ils se déplacent en nombre, on va entendre qu'eux, parce que là-bas, il y a... Il y en a un. Exactement, la gang au tambour. Ouais. Donc voilà, on espère qu'ils se déplaceront en nombre pour nous soutenir, et c'est vrai que ça sera plutôt un avantage pour nous, quoi, au final. Maxime, hormis peut-être la saison exceptionnelle qu'avait fait Sierre en terminant 4e contre Holten, qui avait fini 5e, c'est la première fois que sur le papier, c'est vraiment très proche entre les équipes. Est-ce que cette année, avec les ambitions qui ont été avancées, et puis ce contexte justement d'une série plus serrée, est-ce que c'est un motif de pression pour vous ? Non, pas de pression. Je veux dire, on a quand même fini 5e, 4e, donc on est quand même derrière à pas mal de points quand même au classement. Donc c'est clair que nous, maintenant, il faut vraiment se mobiliser. On sait le talent qu'on a à l'intérieur de notre vestiaire, on sait qu'on peut battre n'importe qui. On a fait des très bons matchs contre n'importe qui cette année, donc vraiment à nous... vraiment de se mobiliser, d'être focus à 100%, et moi je suis persuadé qu'on a notre carte à jouer pour ces cartes finales. Ouais. C'est vrai que, comme tu l'as dit, vous pouvez battre n'importe qui, enfin on l'a vu cette saison, vous pouvez aussi perdre n'importe qui, on l'a aussi vu. Ouais. À quoi faudra veiller justement pour éviter que ces fameux soirs sans, ils interviennent pas durant la série contre Grasshopper? Je dirais qu'en playoff, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas avoir un match sans. Je veux dire, là c'est les playoffs, c'est, on doit avoir 4 victoires avant eux. On n'a pas le choix de ne pas être présent un soir, même que tu sois sur la route ou rester dans le bus Saint-Hyères ou autre. À la limite, tu peux avoir 2 minutes, 5 minutes où tu prends un peu l'eau, tu laisses passer l'orage, où ils ont le momentum et ensuite ça repart. Mais on ne se doit pas de passer à côté d'un match. Ça, on peut pas. Après, des fois, c'est pas plus mal de faire peut-être, excusez-moi du thème, un peu de la M pendant tout un match pour peut-être mieux repartir derrière, donc avoir le scénario. Mais je pense qu'on a les capacités, puis on se doit vraiment d'être à 100% à tous les matchs. Ouais. Puis vous faites justement, autant l'un que l'autre, maintenant partie de ces joueurs d'expérience dans le vestiaire. Il n'y a pas que vous, il y en aura d'autres. Aussi un avantage pour Sierre, parce qu'on sait que Grasshopper, c'est une équipe relativement jeune. Ça pèse quand même d'avoir fait quelques séries de play-offs. On n'en a pas non plus 150 dans la Ligue à notre actif, vu qu'on n'a pas encore passé les cartes finales une fois. Mais c'est clair que si on prend des Mathieu qui ont réussi à gagner un titre, Arnaud qui a réussi à gagner un titre, Raymond qui a pas mal de séries aussi, entre les deux étrangers qui ont quand même passé 30-35 ans. C'est clair que l'OTA qui est aussi arrivé. Donc, on a, je pense, un bon bagage vraiment pour faire quelque chose. Ouais. Et puis, on parlait avant de l'avantage de la glace. On se doutait, on se demandait si du côté de Grasshopper, c'était un avantage ou un désavantage pour vous. Mais une chose qui est sûre, c'est que à Sierre, ça va être une grosse ambiance. Et puis, je pense que c'est aussi le moment pour vous d'appeler les gens à se mobiliser. Ah ouais, c'est clair, comme je veux dire, on sait qu'ils sont chauvins ici, ils sont à fond derrière nous et ils vivent le truc pleinement. Voilà, c'est clair, ce sera des matchs où il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. À nous d'en tirer profit. Et puis faire des gros matchs, c'est à domicile. Puis on le sait, Maxime, dans le hockey, enfin, je pense que tu as vu autant de saisons de hockey que moi. Il y a des saisons, des fois, où tout va bien, puis en playoff, ça se pète la gueule, comme on dit. Puis des fois, il y a des saisons de M, comme ouais. Tu le dis. Et puis tout d'un coup, en playoff, il y a quelque chose qui se déclenche, et puis on arrive à prendre le public avec nous. Et puis, c'est ça. On peut partir sur une très belle aventure. Bien sûr. Il y a tout eu. Il y a déjà eu des 8e de classement qui ont fini champion. Il y a déjà eu des premiers qui sont sortis en 4 matchs. Vraiment, il y a tout eu. Et maintenant, nous, on a. On est quand même content de cette saison. Vraiment, on a l'équipe pour passer. À tout prix, vraiment, ces cartes finales, et puis après, dès que c'est lancé, on peut tout faire, on peut renverser tout le monde. Donc, mobilisation générale mardi 13 à Grasshopper, vendredi 16 à Sierre. Voilà. Et puis, en tout cas, on compte sur vous. Merci à toi. Bonne série. Merci.